La police dans ville au Cap mettait en bas code plusieurs présumés bandits qui ont même t'a fait tentative pour te braquer une succursale Unibank qui trouvait dans rue 18A dans ville au Cap. Fanatique Joe Canel Journal 9, mais 5 présumés bandits yo même yo tombé en bas code, la police en bas menotte, la police qui était vigilant qui était maré monsieur yo, avant même yo braqué banque là. Et premier nèg yo te prend selon information yo était dehors, monsieur te servi antenne, yo met mes sous monsieur dehors en attendant l'autre yo même yo tendant, en attendant la police mette yo en bas menotte, mette yo en bas code. Fanatique Joe Canel Journal 9, nous gagnons confrère nous qui était sur place dans Media Max, n'a pas de voile qu'a parler sur vidéo ça nous pral diffuser pour vous, nous ba yo crédit, et ben nous pral suivre ensemble qui gens ça t'est passé. Fanatique Joe Canel Journal 9, avant nous porter en pile l'autre gros information pour vous, en garder qui gens ça t'est passé dans rue 18A dans ville au Cap. C'est pour faire la presse nous, c'est pour faire la presse nous, il a pas eu plus de détails, qu'est-ce qui s'est passé, ça qui passe, hein, le ça va. Plaque machine ça, selon l'information que la police fournit nous, c'est avant même plaque machine ça qui avait participé dans l'assassinat de yon père Sylvestre, ça a gagné de cela 3 mois. La police a déjà appréhendé 5 dans présumé bandit ça et il a cherché un autre. Et il y a d'abord 2 machines devant Unibank là. Il y a que il a appréhendé dans Unibank. Ce que ça l'Unibank Cap Haïtien. Gayon qui a répondu une question. Gayon a fouillé machine yo, jusqu'à présent. Et dans la première machine que nous fouillé, nous avons trouvé plusieurs armes à feu. Et mais on a présumé bandit qui a parlé avec la police. Il y a plusieurs membres de la population qui campaient, qui ont applaudi le travail de la police. Et ce que ça l'Unibank, ça était fermé. Et il y a pile policiers qui déployaient aux environs de succursale Unibank, rue 18 Cap Haïtien. On a regardé les machines ça. Et selon la police, c'est une machine qui a participé à l'assassinat de Sylvestre dans le mois passé. Et il y a 5 présumés bandits qui ont déjà arrêté. On a cherché. Il y a monté ça. Qui ça va gagner la lumière? Il y a monté ça. Voilà, ça c'est un regardez visage. Très présent là. Et c'est un monsieur Sayo qui est fait. C'est un monsieur Sayo. Depuis qu'il y a un mouvement ça. Ça passe, je veux dire, ça passe. Il y a un mouvement ça, mon ami. Hein? Il y a un mouvement ça. C'est un nom. On va pas voler, non? Pas voler, mais machine, mais on va pas gagner ça, on va donner. Il va y avoir une zone de machine, mais pas voler. Et c'est l'homme qui s'arrête là. Qui s'arrête là? Qui s'arrête là? Qui s'arrête là? Vous ne pouvez pas participer dans le mort, Père Sylvestre? Ou par contre, Sylvestre? Voilà. La police qui a conduit 5e suspect là. Il y a 4 ans qui déjà dans le commissariat Cap Haïtien. C'est à proximité du commissariat de police au Cap Blanc que l'arrestation s'est arrivée faite.
dans succursale Beni Bank, rue 18 Cap Haïtien. Nous allons laisser parler avec un responsable de la police. Est-ce que son prêt de presse est là? Non, c'est pas assez. Ok. D'accord, c'est bon, prêt de presse, c'est parler à parler. Quittez-nous un épisode pour nous voir plus d'informations sur l'arrestation que ça a fait. Il y a plein de monde qui dit son braquage qui est fait au niveau de Unibank ou 18 ans, mais ce n'est pas un braquage, c'était plutôt deux suspects que la police a appréhendé en dedans succursale Unibank ou 18 Cap Haïtien. Merci Bill, Média Max sur place. Et incessamment, on a plus d'informations sur l'arrestation que ça a fait. 6 individus qui paraissent suspects selon la police que. Parmi eux, 5 jouent en arrestation. Deux ans, ont arrêté en dedans. La police a arrêté en dedans. Succursale Unibank, rue 18, au Caplan. Et il y a 3 autres que ils ont arrêté après. Qui est dans le sous-commissariat. Qui est dans le commissariat police Cap Haïtien. La police parle de l'information, parle de la conférence de presse. Voilà, c'est comme ça, ça t'est. Je ne dis rien de crédit avec confrère nous. Dans Media Max qui t'a fait vidéo ça, fanatique Joe Canel, Journal 9. Eh ben, bandit au même, c'est tout côté à ferraille. C'est tout côté à ferraille. Et Klendou, c'est plusieurs départements dans le pays là qui mêlent en bas bandit. Qui mêlent en bas bec fer, en bas zagoloraï, qui au même a fait la pluie et le beau temps. Fanatique Joe Canel, Journal 9. Et t'as qu'on dédou ça déjà dans une précédente vidéo. Cause kidnapping nan, li recommence à valer terrain pendant fête de fin d'année yo, y a avancé. Ambek kiden nou, soti nan l'anuit jeudi 25 novembre nan, gen 3 cas kidnapping que yo enregistré. Parmi cas kidnapping sa yo, gen yon français. Gayon français qui relait Alain Soval et puis gayon ancienne épouse président René Prévalent Soulange Lafontaine ensemble avec un citoyen que les Paul Dubois qui ont même victime de zak kidnapping dans pays là fanatique Joe Canel Journal 9. Donc pendant le mois sans jour gayon 15 américains en main en ben gon français lui-même qui tombé dans filet kidnappe. Lirele Alain Soval, en maintenant soirée, jeudi 25 novembre, nan, 3 zak kidnapping sa ou fait, un seul coup, fanatique Joe Canel, Journal 9, nous dou ça, à côté de français, ça, gen ancienne épouse, ancien président René Préval, Solange Lafontaine, qui lui-même victime de kidnapping tout, et puis gen Paul Dubois, qui victime de kidnapping. Donc, nèg yo continue à ferraille. A bousquer la vie, nan détruit la vie moun, nan décapitaliser moun, nan fait zak kidnapping, fanatique Joe Canel, Journal 9, c'est comme ça, ça lui-même lié. Et en matière de sécurité, kidendou, même voisin, pendant la kaye li pa fin trop propre tout en matière de sécurité, parce que gan pile insécurité en République Dominicaine, même s'il pas même en Haïti, selon autorité dominicaine yo, yo renforce dispositif de sécurité autour de président dominicain Luis Abinader, son décision qui prend, qui coïncide avec insécurité qui gagne dans le pays d'Haïti, selon journal yo en République Dominicaine, et puis arrestation de quelques officiels de haut rang pour question corruption. Donc, monsieur Zachary, président Jovenel Babo, ici, en tout cas, Luis Abinader, papa, monsieur renforce la sécurité lui-même. Li pa kite nèg vin Jovenel li lòt bò, monsieur renforce la sécurité, fanatique Joe Canel, Journal 9. Ah ben, Jovenel yo semble la entrer dans trou yo avec dernier gouvernement sak formé à la côté Martelly pour un morceau et puis opposition pour l'autre morceau. Ah ben Jovenel yo, yo pa gagné nan men yo. Yo débra balancé. Hein, deux pour derrière yo, yo obligé entrer dans coquille parce que là pouvoir nan men nèg yo, pouvoir nan men Martelly et puis on parti dans opposition. Donc Jovenel yo pa ka parler trop fort. Donc, dernier grand journaliste qui était, c'est Lionel Valbon, secrétaire général
la présidence. Ils ont remplacé monsieur hier, malgré le fait tentative pour te faire agent USGPN empêcher des officiels d'entrer dans le palais. Mais c'est un bon yon dérivé fait quand même. Et devinez qui est-ce qui t'est installé Josué Pierre-Louis comme nouveau secrétaire général la présidence. Ah ben, c'est Berthaud Dorsey qui lui-même, c'est ancien avocat sogénère, ancien avocat Dimitri Vob qui était dans gros bouche l'ouvri, gros tac au tac avec ancien président Jovenel Moïse. On regarde qui j'en cérémonie installation a été faite, t'est passé côté monsieur Dorsey quand pile monde a plongé doit sous lui comme nèg qui pas ta correct, qui pas ta droite, lui-même il t'a installé Josué Pierre-Louis. J'ai le privilège ce soir, malgré les inconvénients, de procéder à l'arrestation, à l'installation au titre du secrétaire général de la présidence, Maître Josué Pierre-Louis. En ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je suis instruit par le Premier ministre de vous transmettre sa confiance et vous confie à mettre en application ses recommandations dans le cadre de la mission qui vous est désormais dévolue. Monsieur le secrétaire général, il ne fait pas de doute que votre tâche exige beaucoup de persévérance et d'assiduité. Le Premier ministre est convaincu que vous serez à la hauteur de vos nouvelles attributions. Pour ma part, je vous prie de croire à mes meilleures dispositions pour tout le soutien dont vous pourrez avoir besoin. La situation actuelle exige un travail assidu en vue de réaliser les objectifs du gouvernement au regard des exigences de la loi relative à vos fonctions et à l'administration centrale de l'État. Dès à présent, je vous souhaite, frère, du succès dans l'accomplissement de vos tâches. Merci. Monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, monsieur le commandant en chef de la police nationale, monsieur l'inspecteur en chef de la police nationale, monsieur le directeur central de la police administrative, Excellence l'ambassadeur chef du protocole, monsieur l'administrateur général, monsieur l'inspecteur général en charge de l'unité de sécurité générale du palais national, mesdames, messieurs les coordonnateurs, directeurs et cadre du secrétariat général de la présidence, mesdames, messieurs. Depuis l'assassinat du président de la République, les événements se bousculent dans le pays et de nombreuses interrogations sont posées. La situation appelle à des réponses politiques et administratives ainsi que des actions importantes appropriées pour ramener le calme et la sérénité. Cela entraîne et nécessite en conséquence de nouveaux mouvements dans l'appareil administratif public et la haute gouvernance de l'État dans la perspective d'une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Dans ce cadre, le Premier ministre, son Excellence Ariel Henry, va arrêter pris en Conseil des ministres, a jeté son dévolu sur ma personne pour occuper le poste de secrétaire général de la présidence. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le Premier ministre pour la confiance placée en moi et pour laquelle il ne sera pas déçu. Aussi, profitais-je pour saluer mon prédécesseur, monsieur le secrétaire général sortant, Lionel Valmoin, et le féliciter pour la qualité du travail accompli, notamment en ce temps de période troublée et difficile. Il restera une valeur importante pour la République de par la grande expérience accumulée au service public. Je souhaite pouvoir continuer
a bénéficié du partage de sa grande sagesse. À vous tous, à vous toutes, composant le personnel de la présidence, j'adresse ma reconnaissance personnelle pour votre dévouement au travail et votre disponibilité. Je sais que cela n'a pas été toujours facile. Toutefois, vous continuez à répondre courageusement à vos tâches. Ayant partagé le cadre de son travail et ayant été à son service, j'imagine toute la souffrance que vous endurez depuis la mort tragique du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et mesure aussi toute la peine qui affecte votre quotidien, surtout en mettant les pieds ici au Palais National. En hommage au défunt président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, observons une minute de recueillement. Merci. Ce qui doit nous exiger davantage de rigueur et de discipline dans la gestion de ce haut lieu de l'État. Je m'attends donc à une collaboration sans faille et une disponibilité au service pour la réussite de la mission qui est la nôtre. Je serai attentif à vos préoccupations et vous trouverez en moi le serviteur public humain, attentif, mais tout aussi exigeant. Mais voilà, c'est comme ça la cérémonie en lui-même, il était passé, il était déroulé. Fanatique Joe Canel, journal 9 dans Palais National, après agent USGPN définit camp en quoi, après ça, coup de fil fait, petit palais fait, et mais nèg même il va laisser passer. Pour cérémonie en lui-même, il est fait, c'est vrai, agent sécurité, différents officiels qui étaient arrivés en train dans Palais, lui-même, agent sécurité, il était dehors, Fanatique Joe Canel, journal 9. Donc, cause en pile dans le pays, hein. Et la police lui-même l'a fait tentative pour le qui j'en ta metton ti au là pendant période fête de fin d'année au là décembre nan ka privé mais kidnapper yo même y a met piège y a met mai tout les gars même non ça refait l'argent yo c'est la police qui pour tout côté c'est population en tout qui pour collaborer à la police les noyer en bagage suspect a fait dans zone dans caille pour reler la police bay information pour envahir Zagoloray mettre principe sous Zagoloray pour freiner causer insécurité ça zak kidnapping ça yo tripot par bord nan pays là Fanatique Joe Canel journal 9 donc c'est comme ça situation lui-même lié par bon ici nan pays d'Haïti ou kon formule lan déjà si ou poko abonner à channel ça prend quelques secondes pour faire ça cliquez sur subscribe et puis cliquez sur petit cloche là pour ka toujours recevoir notification yo chaque fois nous partager yon nouvelle vidéo avec ou sous page ça. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter. Suivez-nous sur www.journal9.tv. Et toujours vide bagay neuf pour nous dans Cash App, Zelle, PayPal pour ka encourager bel travail si la. Partagez vidéo nous yo dans tout groupe WhatsApp, Facebook, Telegram. N'ap kampe la ak vidéo ça.